Wow, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyanx Report. Si vous n'êtes pas abonné, de tous abonnés, allez-y, abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez plus la sortie de nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, savez-vous que quand vous entretenez des rapports intimes avec quelqu'un, vous vous connectez spirituellement par là? Où vous tissez des alliances. Aujourd'hui, les jeunes gens, tout le monde veut toucher à la chose. Or, il y a problème dedans. Quand on n'est pas marié, qu'on ne remplit pas toutes les conditions, c'est pas une bonne affaire. Et il y a même une vidéo qui va apparaître ici en dessous de ce bon, qui va vous donner plus d'informations là-dessus. Ça parlera même de sorcellerie, tous ces genres de choses, mais aussi de ça. Et ici, voici une soeur qui va juste nous donner quelques informations, surtout à nos soeurs. Vous savez, souvent les femmes, les filles, elles sont pressées pour se marier. Elles sont trop pressées. Or, avant de se marier, avant de s'unir avec quelqu'un, avant de s'unir avec une personne, que ce soit l'homme ou la femme, ou l'homme ou la fille, que ce soit le garçon ou la fille, vous devez forcément vous connaître d'abord. Prendre le temps de bien vous étudier. Et quand on dit de bien vous connaître là, ce n'est pas de vous connaître sexuellement, hein, ce n'est pas ça. C'est à cause de ces liens mauvais qui sont derrière le sexe que nous faisons cette vidéo pour vous dire de faire vraiment très attention à ce que vous êtes en train de faire. Parce que quand vous couchez même avec une femme, si cette femme est sorcière, vous devenez automatiquement sorcier parce qu'elle va vous initier. C'est même facile. Pourquoi on dit que le sida se transmet par voie sanguine? C'est pas de la blague. C'est comme ça. Spirituellement parlant, il y a des choses qui se transmettent ici. On nous dit même que le sida est une maladie, mais qui vient du moins des esprits, ou du moins des sorciers, même des démons. Le savez-vous? Regardez même les yeux du gars là-même. Regardez comment ses yeux sont ouverts. Ses yeux sont ouverts comme si il va plus les refermer encore. Soyez prêts et vigilants. Et vous devez partager cette vidéo pour que beaucoup de personnes puissent découvrir ces choses-là avec nous. Écoutons le conseil de notre sympathique. Je l'ai dit tant et tant de fois aux jeunes filles, le corps que vous avez, c'est le corps de Tata Nzambe. Wow. Faites attention aux personnes que vous signez des alliances. Parce que partager un lien avec un homme, comprenez, vous êtes des grandes personnes. Quand tu connais un homme, l'homme te connaît, tu partages maintenant un lien avec lui. Vous êtes liés, que vous soyez mariés ou pas spirituellement. Vous partagez mutuellement des mauvais oeils, si on peut appeler ça comme ça, dans les langages, trucs, des démons. Vous partagez des malédictions et des bonheurs. Ça veut dire qu'au moment des rapports sexuels, vous partagez des choses, vous échangez des choses. Ça veut dire que quand vous serez en action là, des démons vont venir se positionner dans la chambre et faire le travail, faire les échanges. Vous allez vous transmettre des trucs. Ça peut paraître bizarre, mais vous devez savoir une chose, c'est que le sexe qui est là, c'est pas un jeu. Le sexe est spirituel et c'est réel. Donc, jeune fille, vous qui courez après n'importe qui, tu connais pas l'homme, l'homme dit que non, je vais te marier, boum, tu sautes sur lui. Tu connais pas la vie qu'il a menée avant. Hein? Ayez un peu peur de la vie. Ayez un peu peur. Vous avez déjà des liens familiaux qui sont forts. Vous allez rajouter encore d'autres liens. La personne auquel tu as donné premièrement ton corps, la personne auquel tu as donné premièrement, tu t'es lié avec lui. Tu t'es rajouté des liens. La personne avec qui tu as eu les premiers rapports sexuels, tu t'es ajouté les liens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette personne avec qui tu as eu le rapport sexuel a des problèmes c'est-à-dire des problèmes qui sont liés peut-être au mariage ou au travail ou bien à un démon que ses parents adoraient. Toi aussi, tu vas aller te connecter à ces démons-là. C'est ce qu'on appelle les liens. Ce sont les liens spirituels, ce sont des connexions, voilà, des énergies spirituelles. C'est comme si on va dire
que tu vas te connecter à une mauvaise énergie. Voilà. C'est comme si tu te connectais à un mauvais esprit et tu échanges des choses. C'est ce qu'on appelle des liens. Tu t'es rajouté des liens. Moi, j'aime pas trop parler comme ça parce qu'on va dire que je parle trop, 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 trop. Voilà. Vous, vous comprenez pas certaines malédictions, vous les ramassez ou vous commencez à teaser des oncles, des matatas, moi aussi, des tantes, des machins. C'est vous. Vous vous êtes partagé des liens avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire que c'est malédiction aussi, il y a des malédictions aussi. Vous vous êtes partagé des liens avec quelqu'un d'autre. L'homme, là, s'il est marié, il est déjà en faute spirituellement, il vient te voir, tu rentres dans son cercle des fautes, tu te ramènes des malédictions bêtement. Parce que tu ne cherches pas à comprendre qui il est. Et ensuite, c'est ça, je vous lis un peu. Wow. Vous avez entendu ça? C'est vraiment grave. Elle n'est pas prête, Marcelo, elle n'est pas prête. Hein? Une femme, si elle te dit qu'elle n'est pas prête, elle a besoin de te connaître. D'ailleurs, c'est à féliciter. Elle a besoin de te connaître. Il faudra qu'elle soit prête. Si une personne n'est pas prête, il ne faut pas forcer parce que des fois, ça peut arriver des problèmes dans les mariages. Vous allez avoir des manques d'attention, une personne qui ne vous accorde pas trop d'attention parce que ben c'était pas vous. Vous avez forcé. Faut pas forcer, faut attendre. Vous mettez quelqu'un qui est très franc, qui te dit vous attendez, ça ne veut pas dire qu'elle t'aime pas. Elle t'aime, elle aime la relation que vous avez, mais elle n'est pas prête pour le mariage parce que le mariage, des fois, ça fait peur. Le mariage, c'est pas on se marie aujourd'hui pour divorcer demain. Hein? Le mariage, c'est très sacré. On ne bafouille pas un mariage comme ça, on ne néglige pas un mariage comme ça, sous peine d'avoir des malédictions bêtement et d'avoir des blocages. Vous avez vu, le mariage est décidément très sacré et il faut prendre la peine de connaître la personne avec qui nous allons nous unir. Parce que même spirituellement parlant, il y a des choses qu'on s'échange. Merci Laure. Vous avez entendu ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Ce sont les choses que la plupart du temps, les gens me négligent. Les jeunes sont là. Oh, laisse-nous, ne parle pas de mariage. Nous, on cherche les filles. N'importe comment, deux copains, deux copines, deux. N'importe quoi. N'importe quoi, les gens sont en train de faire. Ah, finalement, là où maintenant tu es prêt à te marier, des années plus tard, c'est là maintenant, tous les problèmes que tu as emmagasinés en couchant avec les filles, n'importe comment, vont maintenant surgir maintenant dans ton mariage et commencer à même faire de n'importe quoi là-bas. Vous compliquez la vie. Ne couchez plus avec des gens n'importe comment. Quand tu couches avec un homme, spirituellement parlant, tu es marié à cet homme. Si tu couches avec deuxième personne, spirituellement parlant, tu es marié à la deuxième personne. Toi, tu peux être marié à trois personnes en même temps. Cette vidéo qui va apparaître ici, en dessous de ce point maintenant, va te permettre de découvrir en long et en large cette affaire-là. Vraiment, je vous aime beaucoup. Je ne veux pas vous trouver dans les problèmes. Nous tous, on a fait ça ici. Nous tous, on a fait ça. Moi-même, je découvre ce problème avec vous aujourd'hui. Et c'est pourquoi je partage cette vidéo avec vous. Vous aussi, partagez cette vidéo pour alarmer beaucoup de personnes, permettre à beaucoup de personnes de parvenir à la connaissance. Prenez soin de vous connaître d'abord. Le mariage, là, c'est pas trop pressé, 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 pressé. Prenez le temps de vous connaître. Ah, quand vous serez mariés, là, vous allez même dormir ensemble jusqu'à lendemain. Vous réveillez lendemain, mais soyez prêts. Ne vous unissez pas à n'importe qui et n'importe comment. Que Dieu vous guide dans vos choix. Confiez-vous pour Jésus à Dieu et Dieu lui-même va vous aider. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide aujourd'hui. C'est parti. Partagez cette vidéo maintenant. Let's go.